Eh bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure horrifique. Je parle bien évidemment de Resident Evil 7, nous en sommes à l'épisode 7 justement, ça tombe très très bien. Et on continue de ce pas notre aventure. Souvenez-vous, on avait récupéré la manivelle qui nous permettait d'accéder à de nouveaux endroits et aussi de créer des raccourcis dans la vieille maison. Bon, bah là on doit y aller, je dois donc traverser un marais et il y a un petit cabanon perdu, un petit peu perché au milieu de ce marais justement. Je sais pas du tout où ça va mener. Est-ce que ça va mener une sorte de cave sous le marais, un truc bien dégueulasse? Aucune idée. Je commence un petit peu à comprendre comment est structuré le jeu. Ça a l'air d'être infiltration, exploration, action, infiltration, exploration, action, etc., etc. Là, on a fait la case infiltration. Donc là, on est dans l'exploration avec la manivelle, justement, l'ouverture de portes dissimulées, etc., etc. Et je pense que une fois traversé le petit pont, on sera dans une phase d'action. Je vous dis, je pense. Je ne sais pas, évidemment, je ne me suis pas spoilé, je vais découvrir en même temps que vous. Quoi qu'il en soit, plongez-vous dans le noir, fermez les volets si jamais il y a la lumière du jour, mettez des écouteurs ou un casque, prenez de quoi manger, de quoi grignoter, des chocos BN, des fraises BN, des BNW, voilà. Régalez-vous, hein, on va pas vous bloquer là-dessus. Et on est parti. Allez, c'est parti. Il y a toujours une phase d'esquive de Marguerite, me semble-t-il, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Donc nous sommes là où il y a la flèche, hein, à côté de la galerie. Et je dois aller près de la station d'eau, là où justement il y a un vide. Et après on a un carré gris, donc je dois repasser là où est Marguerite. Alors, la galerie c'est pas un problème, le couloir ça va être un autre problème. Et la salle à manger, va falloir que je trace très très vite. Faut pas que Marguerite me chope. Je connais les bails. Les connaissant, Marguerite va me poser pas mal de petits soucis. Et elle serait même capable d'être de l'autre côté de la porte. Vous entendez? Ah oh. On trace. Oh là 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 là. Ok, on est passé. Très bien, pauvre petite merde. Cette fois, j'en ai assez. Oh putain. Elle m'a enculé. C'est pas très cool, ça. Ok, eux, on va les faire au couteau. Ils sont chiants. Il est où, là, le papillon, là? Papillon de lumière. Sous les projecteurs. Comme par hasard, Marguerite était juste devant... devant l'endroit où je voulais passer. Ah! Oh, hey, mais franchement, hein! Vous êtes vraiment des sales rats, vous, hein! Regardez-le, miskin! Quoi? Mais c'est un truc de ouf! Non, mais pas en enfer, gros! C'est quoi ce délire là? Les gars, vous êtes sous cocaïne ou quoi là dans ce jeu? Ok! Ah oui, alors putain, merde! On m'a donné un très très bon conseil aussi. Qu'il va falloir que j'applique incessamment sous peu. J'ai un remède fort et j'ai 3 remèdes classiques. Je suis blindé. Je peux pas avoir plus de 3 remèdes. Donc on verra un petit peu ce qui m'attend. Coup de manivelle, c'est parti. Ça mène quelque part en bas ou pas? Non, c'est juste un petit cabanon. Étrange. Je sais pas ce qu'il peut y avoir dedans. Juste un petit cabanon, ça mène nulle part. Oh, un remède. Alors attendez, on va l'utiliser celui-là. Voilà, comme ça je suis blindé. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, un coffre un petit peu à l'ancienne. Dans les anciens Resident Evil, ils aimaient bien. Putain, mais t'entends Marguerite à l'autre bout, quoi. Mais c'est terrible. Oh, elle est là-haut. Non. Ok. Oh là là. On a la clé corbeau, c'était quasi sûr. Je vous l'avais dit que ça mènerait à la clé corbeau. Et on a une pièce antique, sa mère. Aïe. Qui aiguise l'essence. Eh, tu sais quoi, j'en ai rien à foutre, ça, je l'utilise. Voilà. Ça aiguise mes sens, mais je vois surtout que dalle, en fait, là, les gars. Je vois surtout que dalle. Ok. On a pas mal avancé. On a toujours Marguerite de l'autre côté. J'ai donc la clé corbeau. Il est temps de faire une petite pause. Et de regarder...
toutes mes possibilités grâce à cette clé totalement incroyable. Il y a une pièce contaminée. Il y a une salle de détention. Oh putain. Ah mais en fait le premier étage c'est la merde. Il y a une chambre d'enfant. Mais en fait le premier étage il est blindé. Et on n'y a jamais été encore. Ok, alors où mène cette... Oh, il y a un hôtel. Ah bah oui, l'hôtel. Alors où mène cette... Quoi ? T'es buggé ma grande, non ? Attendez, elle a vu à travers la texture, je crois, non ? Ok. On va attendre qu'elle parte par là-haut, par cette porte, et nous on file à droite. Je vais d'ailleurs reload mon lance-flamme. Alors faut savoir que Marguerite, je lui ai mis de la flamme dans la gueule, elle en a rien à foutre. Hein. Peut-être prendre ça d'ailleurs. Ah, mais il y a un nid là-haut. Vas-y, pars Marguerite. Alors attendez, le temps qu'elle trouve. Les corbeaux, je peux aussi ouvrir ici, de l'autre côté, très bien. Ok. Putain, elle veut pas, hein. Ah putain, ils renaissent. Ok. C'est quoi ce délire? Il y a de nouveau... Oh, putain, après Marguerite, elle crée des essaims de... Des essaims, elle crée des essaims. Elle est là, qui veut des essaims, les gars? Ok, on va retourner dans la nouvelle maison, dans le manoir, pour ouvrir toutes les portes avec le corbeau. Parce que je suppose que ça doit être par là-haut. Ils ont emmené Mia. Et... Oh putain, j'ai eu peur, c'était une plante. Putain, les conneries, mec. Et puis on va aussi sauvegarder, on va en profiter pour sauvegarder vite fait. Alors oui, je sauvegarde beaucoup, encore une fois, c'est normal, ne paniquez pas. Qu'est-ce qu'on a là? Le soutien-gorge, la base. J'ai une nouvelle pièce antique. Plus qu'une, on a le 47 Magnum. J'ai la manivelle. La manivelle, je crois que j'ai plus grand-chose à ouvrir pour le moment. On a les soins, on est blindé. Je sais pas trop... La clé corbeau, ok, on va y aller. Ah, poudre canon, allez, on va la mettre de côté. On va se laisser deux places, sait-on jamais. J'ai la clé scorpion, elle me sert plus à rien. Et on m'a dit d'utiliser les stéroïdes, renforce sensiblement les muscles, augmente. Les effets sont permanents. Et ben voilà, donc permanent, c'est tout le temps. Donc on va utiliser... En fait, c'était un truc de ouf qu'on a trouvé. Ça augmente, j'ai plus de vie. Donc c'était un truc de ouf qu'on a trouvé dans la cheminée. Ça, c'est propre. On save, les mecs. Et direction, direction l'ouverture des portes corbeaux qui vont me permettre déjà de nouvelles zones et ensuite de... j'en sais rien, c'est rien du tout. Je vais fermer ma gueule parce que quand on sait pas, on se tait, hein, comme on dit dans le milieu. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Augmente votre vitesse de rechargement de façon permanente. Ah, c'est pas mal ça. Par contre, si j'en utilise un, je pourrais pas récupérer mes pièces, me semble-t-il. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. J'en ai fichtrement aucune idée, mais j'ai pas envie de prendre le risque. Ok, on y va. Donc direction la maison. Alors, j'aimerais me souvenir où étaient les clés corbeaux. Là, c'est les clés serpents. Ok. La réserve. Salon, réserve, impeccable, clé corbeau. Quoi d'autre? Attendez. J'en ai... Ça, c'est serpent. La morgue, tout ça, serpent. Ok. Ok, on peut aller à la réserve. Donc une porte, c'est déjà pas mal. Une porte grâce à cette clé. Donc je vais en profiter de ce... Oh putain. Oh, j'ai cru qu'il y avait du barbelé sur cette porte maintenant. J'étais tellement pas bien. La réserve, elle est là-haut. Elle est là-haut. C'est plutôt cool. Je sais pas du tout ce qui m'attend. Peut-être une arme bonus. On va voir. On va voir justement. Full découverte les potes. Mais voyez, on perd pas notre temps. On trace. C'est ça qui est pas mal dans un huis clos, justement. Vous étiez nombreux à dire, ouais, ça me gêne un peu que ça soit pas, ça soit dans un huis clos. C'est que justement, c'est fait pour se souvenir aussi un petit peu de d'où on est passé et d'y revenir, revenir toujours sur ses pas parce que il y a forcément des trucs intéressants. Et là, vous allez voir que ça va être intéressant. Lance-greux, ma gueule, voilà, bébé. Oh la vache! Ah mais là, je suis mort dans le film, les gars. Combustible solide. Ah mais j'ai déjà plus de place les mecs. J'ai déjà plus de place les potes. Ah ouais. C'est ouf hein. Mais j'ai pas de place. Et ça c'est chiant. Ok.
C'est cool. C'est cool qu'il te force à revenir dans la nouvelle maison. Ok, lance-grenade, ça prend donc son petit... Eh, bougez pas. Parce qu'au final, le couteau, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Ok. Ça peut être pas mal, ça aussi. Ça peut être pas mal. Ouais, je vais aller récupérer. Il y avait un fluide que j'avais laissé de côté. À la salle de billard. Bah les gars, on fait tout. C'est une perte de temps, certes, mais au pire, dites-vous que l'épisode va durer un peu plus longtemps. Des munitions? Vous voulez des munitions, les potes? Vous voulez qu'on se fasse des petites munes? Voilà. Ah, j'utilise... De toute façon, faut bien que ça soit utilisé. Ok. Il me reste de la poudre à canon qu'on va poser... Ah, on est pas mal, je suis content. Ouais, j'ai même plus de munitions qu'il n'en faut. Ok. On est pas mal, je suis content, les gars. Ok, on va pouvoir retourner dans la vieille maison. Et là, le projet, vous l'aurez compris, bah, c'est d'utiliser notre belle clé, parce qu'elle nous a pas été offerte juste pour un lance-grenade. Elle nous a été offerte pour ouvrir de nouveaux horizons, de nouveaux lieux. Et ces nouveaux lieux sont dans la vieille maison. Ça va être très sympa. Je pense qu'on va aller à l'étage de cette vieille maison. Là où c'est le cancer. Là où il y a des chambres d'enfants, un hôtel, des trucs très chelous. Et ça, par contre, clairement, j'ai pas confiance en moi. Alors, on va où? Tout à gauche, vous croyez? Je vois que ça. À moins qu'il faut arracher Marguerite. Je vois que ça. Ok. Yes. Bon, on est parti. Je t'ai fait une fois la prochaine ici. Eh, ferme-la. Ferme-la. Tu vas pouvoir débarquer et faire ce que tu veux avec ma famille. Par ici, mes chéris. Ferme-la. Tête de ma mère, je vais te coller un truc de peupon. Personne sera prêt. Tu dépasses les bornes. Tu m'entends? Tu dépasses les bornes. Tu vas mourir dans ce trou. Ta gueule. Tu vas aimer ça. C'est bon? Ok. Oh putain, on a frôlé l'arrêt, les mecs. D'accord, très sympa. Est-ce que je vais récupérer du combustible? Parce que là, au final, ça m'a quand même pas mal sauvé la vie. Ou alors j'en trouverai ailleurs. Je sais pas, vu qu'on va accéder à une nouvelle partie de la maison. Ok, ok. On est parti. Oh putain, mais les gars, vous êtes fous. Là, je vous avoue, j'étais tellement pas prêt. Je vous parlais normal, comme si on était potes depuis le CP. Allez, ouvre! Qu'est-ce que... What? Ah! À propos du sérum, les ingrédients suivants possibles, créer sérum. Nerf crânien de série D. Nerf périphérique de série D. Ça doit être ça. Ok. Oh putain, les mecs. Alors, t'as trouvé le sérum? Je viens d'en finir avec ta mère et ses satanés insectes. T'aurais pu me prévenir. Je suis désolé. Et pour le sérum? Je l'ai pas trouvé. Mais je sais ce qu'il nous faut pour en faire un. Une tête de série D et un bras. Ça peut pas être ça. Une tête? Je crois que j'ai ça quelque part ici. Vraiment? Mais aucune idée pour le bras. T'as exploré toute la maison? Non, pas encore. Il me reste à fouiller l'étage. Ok. Trouve-le et rejoins-moi à la caravane. Ok. Donc, récapitulatif.
Waouh, waouh, waouh. Ok, le bras est tout en haut. Et ben vous savez quoi? On va sauvegarder parce qu'il n'y a aucune pièce de save. J'ai le plan. Il n'y a pas quelque chose là-dedans, là où elle a été dissous, là, le bordel. On va les save vite fait. Où je peux aller sauvegarder au plus proche? Oh bah, on va sauvegarder à la galerie, ouais, ça me paraît pas mal. Ça me paraît sincère et osé. On va aller, comme ça, on va récupérer les combustibles que j'ai mis de côté, parce que de toute façon, ça sert à rien. Elle est en haut, n'y va pas, j'ai bien compris. J'ai eu très très peur, je vous avouerai d'ailleurs. Non, si je fais ça, on sait jamais. On sait jamais sur un malentendu, peut-être que tous les verres cramaient, ça me laissait. Ça me laissait de la marge. Très bien! Allez! T'as par contre dangereux, hein. Dangereux. Je vous parlais normal, tu vois. J'ai rien demandé, moi. Je parle normal, tranquille, je suis heureux, je vais à la porte. Bam! Je me fais enculer. Ok. Ok. J'ai encore assez de soins, supplément. C'est quoi ça, supplément, salade, tomate, oignon? Des comprimés agissant sur le système inutilisable tel que. Doit être transformé en médicament. D'accord, on a l'incendiaire, ça j'ai bien compris. Combustible. Ok. Ok. Allez, on reload. Et on sauvegarde. Ok, on est reparti. Direction l'étage de la maison. Oh là 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 là. Je vous jure, j'ai... La sueur est sortie instantanément. Parce que, comme je vous disais, ça, c'est l'effet de surprise en fait. Il y en a pas eu pendant longtemps. C'est ça que je trouve le jeu hyper intelligent dans sa construction. C'est-à-dire que c'est pas des screamers en veux-tu en voilà. C'est juste des bruits bien placés. Comme le bruit là justement du volet. Où tu te dis, il va y avoir quelque chose. Et puis finalement, il n'y a jamais rien. Et au moment où justement tu baisses ta garde, c'est là le projet de jeu et d'où sa construction est intelligente. Au moment où tu baisses ta garde, bah tu prends ta vie quoi. Tu prends ta vie, gros, t'es là, tu te chies dessus. Ok. Un bonhomme. Très bien. Vraiment très sympa ici. Hein. 11 octobre. Mes oreilles n'arrêtent pas de siffler et je n'ai pas pu fermer l'œil depuis que cet enfant est là. Comme dit Zoé, il y a quelque chose de bizarre chez cette petite et la femme qui l'accompagne. Ok. 15 octobre. Je vois des choses, j'entends des choses, j'ai des nausées en permanence. Je suis allé voir le médecin en ville qui m'a fait faire un scanner. Qu'est-ce qu'il m'arrive? 23 octobre. La petite m'a donné un cadeau. J'ai mis le cadeau à l'étage, dans la salle secrète tout au fond, là où personne ne le trouvera. Ce bras est un signe de sa confiance. Ce bras nous mènera au bonheur. Et je tuerai de mes mains quiconque se mettra en travers de ce bonheur. Ok, nouveau boss. J'ai entendu quelque chose, quelqu'un chuchoter, je sais pas. Ok, ça parle de bras. Et ça parle surtout d'esprit. Waouh! Oh putain. Oh les gars. Ok, une pièce antique, je peux avoir mon magnum. Il y a quelque chose à mettre. Une autre lanterne, je suppose. Une autre lanterne, je pense. La porte est reliée à la balance. Ah! Vous entendez le petit bonhomme là? Comment ça s'appelle d'ailleurs quand ça bouge leur tête comme ça? Je l'entends ou... Ah bah il est là. Ok. Ah bah oui mais là il me faut la lanterne. Et la lanterne, qui c'est qui a la lanterne? Bah c'est notre cher ami. Notre cher et tendre ami Marguerite. Et là ça va être chiant. Putain le... Oh là là. Quoi? Putain, c'était une ombre. Oh la vache. C'est spécial. Ah ouais, mais mec, c'est pas spécial, vous êtes fous. Oh putain. J'ai le cœur qui palpite à 100. Hein. Là, les gars, pour les cardiaques, quittez les mecs. Hein. Si vous avez pas déjà craqué...
à la partie juste avant. Oh putain, va y avoir quelque chose dans l'escalier. C'est une araignée, quoi. Ok. Ok. On est où, là? Ah, yes. C'est-à-dire que je peux ouvrir cette porte. Yes! Hop, on va chercher notre magnum, les potes. Par contre, faut ouvrir. Ok, on va chercher notre magnum. On a toutes les pièces antiques. Ça, ça fait plaisir. Après, il m'en faut encore 5 pour avoir le rechargement un peu plus rapide. Ok. On est parti, les potes. Hop. Allez, boum. Bitch. Moi, c'est magnum direct. J'en ai rien à foutre. Je suis pas là pour discuter. Ah oui, d'accord. Ok. Le magnum se fait désirer. Alors, avec ça, les gars, attention. Hein. Maintenant, par contre, va falloir trouver des balles de magnum. Ça, ça me rassure. Boum! Ok! Une balle! Incroyable! Foutez de ma gueule ou quoi? Ok. On va le mettre de côté. Alors, pour construire une balle de magnum, comment ça marche? Mais c'est simple, Jamy! Ok, j'ai le magnum, c'est plutôt cool. Alors, ouvrir la porte à l'étage, vaincre Marguerite et prendre sa lanterne. Là, on doit fabriquer le sérum, trouver le bras, d'accord. J'ai les objectifs, les sous-objectifs. On continue encore un petit peu, les potes? Allez, on va continuer encore un petit peu. On est là pour régaler. Je pense que je vais aller botter le cul de Marguerite, récupérer sa lanterne, et on va pouvoir enfin aller à l'étage de la vieille maison. Donc, Marguerite! Ouais, je vais pas prendre le magnum, faut pas déconner. Faut pas déconner! Marguerite, j'arrive! Marouilla! Je sais pas comment ça va se passer le combat. Y'a. Quoi? Oh putain, c'est une plante. Oh putain de sa mère! Là, y'a des sortes de stalagmites, je sais pas c'est quoi qui monte. Ok, là y'a le marais. Mais par où aller? On va commencer par le premier chemin. Photo d'un trésor, des chiottes, très bien. Alors, va trouver les chiottes, frérot. Ok, dès que je vois des chiottes. Oh ouais, tu te fais kiffer. Tu te fais kiffer, t'as bien raison. Ok. C'est quoi ça? Peut-être combiner avec certains objets pour enlever le fluide chimique et créer un objet utilisable. Ah, c'est pas mal. Pff, ouais, mais la photo, j'ai pas la garder, les mecs. C'est les chiottes, j'ai bien compris. Oh, putain. Ok, quand tu vois deux herbes comme ça, tu sais que ça va partir. Tu sais que ça va partir en couille très vite. Ok. Fluide, herbe. J'ai ce qu'il faut. On va tout poser dans le coffre. On va tout poser dans le coffre. C'est pas loin. Ah, c'est des allers-retours. C'est comme ça, les gars. Je suis vraiment navré. Je peux pas faire autrement. Je veux faire les choses à ma façon. Et ma façon, c'est la propreté, les gars. C'est l'efficacité. Vous pouvez pas me critiquer là-dessus, vous le savez. Ah, mais attends, c'est pas là? Non, pas du tout. C'est pas ces chiottes. Vous pouvez pas dire, putain, B-Boy, tu fais les choses à moitié. J'ai lu un commentaire, frère. Le mec, il dit, ouais, B-Boy, on dirait que tu fais exprès d'essayer de perdre ton temps. Non, je joue à ma façon. Je fais l'aventure comme moi je la veux. Et c'est comme ça que je veux, frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je kiffe. Eh, elles sont là, les chiottes. Bah, voilà, bébé. Munitions de 44 magnum. Qui sont là. D'ailleurs, vous savez quoi? On va se l'équiper pour le reload. Ça, c'est un trésor, ça. Ok. Comment on va faire? On va faire comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Oh la vache, le bordel, quoi. Ok. On est bon. J'ai quoi, là? Le couteau, on va se le remettre. Ah, je sais pas pourquoi j'insiste avec le couteau, ça sert peut-être à rien. Regardez le nombre d'armes que j'ai, c'est dingue. C'est dingue, 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 dingue. Ok. Allez, Marguerite, tu es à moi. J'espère pas crever, par contre, parce que tout ce que j'ai fait, je l'aurais fait pour rien. Et ça, c'est terrible.
ce petit aller-retour. Il me reste combien? 2 places? Ça fait peu. Ça fait peu et j'ai pas l'impression que j'aurais besoin encore de la manivelle. Donc je vous avoue que j'aurais peut-être dû la laisser en arrière. Pire, on aurait refait un aller-retour, j'en ai rien à foutre. Allez. C'est parti, Marguerite. Attends. Y a pas des petites pièces, des conneries là? Un combustible solide. J'ai toujours. Ok, on verra à quoi ça sert. Allez! Marguegueux! T'es par là? Ok. On est où là? Ah, c'est chiant. C'est gigantesque. C'est gigantesque, c'est chiant. Ok. La grille bloque l'accès. Je suppose qu'il y aura que Marguerite pour l'ouvrir. Une munition de pistolet, j'aime bien. Ok, on va l'utiliser. Objet là, objet là-haut, très bien. Objet en haut. Ah putain, c'est de l'autre côté, les boules. D'accord, il y a pas mal d'objets en fait, hein. Intéressant. Pas mal d'objets. Là, on a rien. Ok. Oh là là, le nombre de cartouches de pompe que j'ai, c'est impressionnant. Ouais, mais les mecs, je sais même pas quoi faire tellement j'ai de trucs. Ah! Oh putain, j'ai eu peur! C'est bon? Tout le monde a cramé là-dedans? Ok, tout le monde a cramé. On peut pas remonter, hein, donc les gars, là on n'a pas le choix. C'est verrouillé de l'autre côté. Donc direction. Oh! C'est moi maintenant qu'on en finisse! Oh, c'est quoi ça? Ok, Marguegueux. Déconne pas, Marheil. Marouilla. Ok, je ramasse des balles, mais je sais même pas dans le... Là, elle va sortir de là, non? Je vais t'attraper. Allez, dégage. On raconte la vie. Ah, ça c'était pas prévu. Ah! Ah! Quoi? Non! Aïe! Ok. Vas-y. Allez, casse-toi. Tu vas attraper qui, toi? Combustible. Ah, ça, c'est chiant. Je peux faire quoi, là? Une grenade? Ok. Là, elle a mal. Elle a mal. Ah! Quoi? Arrête! Faut partir, les gars! Mais non! What? Quoi? C'est quoi? Mais les gars, vous êtes sérieux ou quoi? Oh! Ah putain! Oh quoi? Oh mais gros, elle me met de ces trucs. Ce qu'elle me colle. Wouah! Oh 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 oh! Mais non!
non mais les gars, ah mais c'est chaud. J'ai plus de balles, j'ai plus rien, c'est la merde. Oh là là. Ouais mais j'ai plus de combustible. Il me faut des combustibles les gars. Ah là je peux rien faire. Il me faut des combustibles. C'était terrible. Terrible fin pour moi. Il me faut des... Si j'ai pas de combustible, je ne peux rien faire. Ok. Donc je vais ramener tout ce qui est nécessaire pour avoir suffisamment de combustible pendant 165 ans. Et puis on va tout arracher. Parce que là, Marguerite a créé des essaims partout, c'est le bordel. Allez, on est reparti. Troisième tentative. Enfin, deuxième, pour être plus précis. Ok. Combustible. Oh putain, oui, ça je prends bébé. Alors là, tu me régales. Hein. C'est pas toujours. D'accord, c'est pas toujours les mêmes munitions qu'on peut trouver dans une caisse. Ça, ça fait plaisir. C'est très très bon à savoir. Ok. Ok, de l'autre côté, il y a les araignées. Voilà. Très bien. Ça ouvre. Cartouche, on prend fluide fort pour l'instant. Pas nécessaire. Ah, elle est dure, hein. Elle est très très hard. La Marguerite, elle est très gourmande, les gars. Donc, ça va pas être évident. Ça va pas être évident, toutes ces conneries. Ok, bah, tu sais quoi, ça on le prend direct. Voilà. Il va me falloir du fluide. Beaucoup de fluide. Ok. Voilà, je lui ai mis une petite cartouche au début parce que c'était entièrement gratuit. Ok. Et comment on va faire? Là, je l'ai bien amoché. Comment on va faire pour que tout se passe comme convenu? Ok, un combustible solide. Ça, c'est pour créer. De quoi mettre on fire tout le monde. Munition de pistolet pas nécessaire. Combustible, je prends. Plus que nécessaire. Je vais t'attraper. Combustible plus que nécessaire. Oh. Quoi? Comment tu vas te sortir de ça? Aide. Ok. C'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, elle me fait pas ça. Ok. 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 Ah putain, munition de pistolet. Chier. Pas ce qui m'intéresse. Bon. Les gars, elle me met en sur de ouf. Déjà, je l'ai arraché. Elle est où? Ok, t'es là. Ça passe à travers ou pas? Voilà. Ouais. Allez, dans le cul. T'es où? On va rester ici pour l'instant. Je te tiens. Ouais. Ah oh, putain. Allez. Ok. Ok. On continue toujours. On est pas mal. Quoi? Ok, on reload. On s'en sort pas trop mal, je sais pas pour vous. Maintenant, on va passer en bas, parfait. Ok, il y a quoi d'intéressant là? De l'herbe. De l'herbe et quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Remède de premier soin. Attendez, on est déjà au max. Ok. On s'en sort bien, hein, mais là. Ah putain, mais salopard! Peur d'une fille. Ok.
Ne pars pas, mon cher. Reste avec un peu, je t'avoue. T'inquiète, je pars pas. Voilà. Il meurt en enfer. Ok. Son gros corps là-dedans, là. Oh, j'ai un peu tout mis, là, je vous avoue, dans la panique. Ok, c'est dégueulasse. Oh, putain, du combustible, en veux-tu, en voilà, hein. Par contre, c'est presque plus balle de pompe. Elle est presque morte là, je pense. Parce que là, elle prend de plus en plus peu. Ah! Elle dégage. Elle dégage. Là, faut mourir, madame. Ok. Elle est presque morte, elle est presque morte, j'y crois. On reload ça. Hop. Oh putain. T'es où? Elle est où? Ah, t'es là, toi. Elle est morte. Allez, dégage. Là, elle a mué, là, non? Reste mort cette fois, ok? Ok. Je réponds à la place, de la demoiselle. Ok, c'est bon. On l'a arraché. On s'en est super bien sorti, je trouve. Je sais pas vous. Je suis assez content. Par contre, il me reste pas masse balle, hein. Il me reste pas masse balle. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Niveau soin, putain, je suis tellement bien. Il y a de l'herbe et tout. Aïe, 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 aïe. Je peux faire un fluide. Qu'est-ce que je peux faire? Un combustible. Voilà. Ça fait de la place. Même pas, même pas. Ok. Ouais, mais les gars. Ouais, mais. C'est trop. On reviendra tout récupérer parce que là c'est beaucoup trop là, les gars, il y a trop de trucs. Vous êtes dingue. Ok, on va pouvoir sauvegarder. Fin de cette vidéo donc. Ça fait plaisir. Quoi? Quoi ce délire là? Ça fait plaisir de voir comment on s'en est bien sorti. Quand même des bruits étranges. Merde, elle est où la sortie là-dedans? Ah mais elle est tout en haut, faut que je... Oh là là. Ok. C'est par ici, les potes? Je me suis perdu. Perdu dans le brouillard. C'est par là, non? Par où, putain? Il était où ce bruit chelou? Il était là en plus, je crois. Par où je... C'est quoi ce délire? Non. Attendez, par où je peux sortir là? C'est quoi ces conneries, les mecs? Foutez de ma gueule ou quoi là? Ah bah voilà, d'accord. Non, mais pas du tout. Oh là là, mais ça c'est terrible ça. Hein. Ça c'est terrible, les mecs. Alors désolé pour le téléphone par contre. Voilà. Ok. Oh, c'est quoi ce délire? C'est par là la sortie? Bah oui! Bah nickel! Non mais les mecs, concernant le combustible là-dedans. Impeccable! Et en plus c'est l'autre sortie, d'accord! Ok, écoutez, on retournera dans la serre tout récupérer.
Parce qu'alors là, il y en avait des choses. Il y en avait, je le ferai peut-être en off. Vous inquiétez pas pour ça. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis surtout, portez-vous bien. Ah, on n'a même pas utilisé de heal. Oh, on est vraiment bon. Hein. Vraiment bon. Allez, à plus tout le monde. Ciao, ciao.